Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Thomas Twinkie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 7e enquête paranormale de la saison 2 de la team d'enquête paranormale TEP. On est heureux de vous accueillir, donc je suis pas tout seul. Je fais mon intro à part parce que Stanley est en train de finir à se préparer. On a Stanley, du coup, et on a Mélanie. On est de retour dans ce lieu qui est l'épisode 6, l'épisode précédent, qui s'appelle le manoir. Je vous invite à aller le voir tout d'abord pour voir ce qui s'est passé dans ce premier épisode. On est de retour deux semaines après. Le lieu a pas mal changé de toute façon. Vous allez voir, tout a été dégradé. On va s'occuper aussi de ces parties là qu'on n'a pas fait la dernière fois. Ce sont des parties annexes. Je vous en avais parlé. Qui sont la ferme. Les stocks. Et voilà. On retournera dans cette bâtisse parce qu'il y a de nouveaux éléments que j'ai découverts lors de la dernière fois. Lors de la précédente enquête. J'avais pas ces infos. Maintenant je les ai. Donc bien sûr avant de se lancer dans l'enquête. Je voulais vous dire quand même, bah, tout d'abord merci parce qu'on a passé quand même le cap des 600 abonnés, déjà pas mal. Mais aussi je voulais vous dire que si vous connaissez le lieu, bien sûr, merci de ne pas le divulguer à n'importe qui, parce que bah, avec ces n'importe qui, on obtient n'importe quoi. Voilà, bâtisse, vous la verrez d'extérieur. J'ai voulu commencer de jour pour vous montrer quand même à quoi ça ressemblait de l'extérieur. Parce que la dernière fois, on a commencé directement à l'intérieur. Vous n'avez pas eu le temps de tout bien voir. Nous commençons cette investigation en nous rendant dans les annexes afin d'essayer d'avoir un contact. Mais rien ne se fera voir ni entendre, hormis une activation du K2. Nous décidons de nous rendre dans la bâtisse afin de poursuivre cette investigation. Et vous allez le voir, le déclenchement du K2 n'est peut-être pas une coïncidence. Qu'est-ce que ça sent ? Ça sent le White Spirit. Tu sais, le truc des peintres, là. Ouais, je vois. Vous vous souvenez, hein, la pièce. C'est la pièce où on a passé la plupart du temps dans la précédente enquête. C'est aussi que le chat qui bougeait. Ouais. Pour l'instant, je pense que je vais rien tenter. Hein ? Je vais rien tenter ici, je pense. Ouais. Je pense qu'on va direct monter, mais je voulais passer par là. Parce que regardez. Enfin, il y a la tapisserie qui a été déchirée. Il y a une nouvelle tag. Vous voyez qu'en deux semaines ça bouge pas mal. Et donc c'est dans cette pièce que. Ben, je vais citer. Hein. C'est un youtubeur qui s'appelle Looner. Qui a déjà fait ce lieu à 3 reprises, je crois, en enquête. Et qui a montré qui a trouvé une photo, justement. Qui montrait la pièce où on va se rendre. Il y a le bout de verre. Montrer la pièce avec une tache blanche inexpliquée. À voir. Non, c'est pas ça, mais là par exemple, je peux montrer parce que c'est. Bah, c'est ça en fait, quand c'était pas délabré. Ouais, c'était bâtiment à l'époque.
c'est le petit coin, maintenant il y a de l'herbe partout, ici c'est tout tellement défoncé. Enfin, ça a pas mal bougé quoi. Les patates. Mais après, c'est beaucoup de visages. Et la photo, je la trouve plus en tout cas. On la cherche, on l'a pas trouvée. Bon, en tout cas, je l'ai récupéré sur donc sa vidéo. Je vous la mettrai quand on sera sur la pièce. Ils ont dessus parce que je pense que c'est la caméra s'est décalée. Je suis en apport ? Ouais. On va dans la porte. Bah, regarde, ils sont toujours là. Calme. Je secoue le pied dedans. Je surveille en haut aussi. Hein. Il y avait beaucoup de dégradation quand même. Quand tu sais qu'ici il y avait un plafonnier magnifique. Oh, le mur a été défoncé là. Ça sent bizarre. Ouais. C'était peut-être par rapport à l'orage là. C'est plus là. Non, ça a tellement bougé. Ouais, puis regarde là. Il y a une poubelle. Ouais. Donc, pour qu'il monte. La dernière fois, il n'y était pas. De toute façon, c'est pour ça qu'il faut avoir vu l'épisode d'avant. Ouais. Ça, vous verrez bien les changements. Ouais. Donc, la pièce qu'on recherche. Ici, on avait fait. Ici, on avait passé pas mal de temps. Ouais. Vous savez comment ils ont défoncé le mur là ? Ouais. C'est mouvant. Ouais. Alors, la pièce qu'on cherche est par là. Ça, c'est moi. C'est là. Je vois rien. Avec le flash. Ouf. La vache. Putain, ça pue. C'est celle-ci. Oh, il y a des champignons qui ont poussé dans la cheminée. Ah ouais. Hein. On va savoir. C'est cette pièce-là. Ouais. Donc là, on va installer tout le matos, tout ce qu'on a. Pod. Est-ce que tu veux mettre un enregistreur là-dessus là ? Ouais, on met tout. J'ai envie de tout apprendre dans cette pièce. Ouais. C'est moi qui l'ai. Et la même, ça. Et le bas. Ouais, là. Ah. J'ai
Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Thomas. C'est Stanley, pour moi. Mélanie. On est ici pour parler avec vous. Gentiment, on n'est pas là ici pour dégrader les lieux. On veut juste avoir des réponses, si vous pouvez nous les donner. Donc je vois que vous avez fait déclencher le pod. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher ce pod? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire maintenant? Je recadrerai la caméra. Ok. Est-ce que c'est moi? C'est bizarre. Ça peut pas être moi. Parce que je recule. Ça, j'avais fait ça. Merci. Je te laisse poser la question, Stanley. Je conclue que vous êtes ici avec nous dans cette pièce. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille ici, qu'on arrête de vous déranger, sachant qu'on n'est pas là pour vous faire du mal? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez refaire déclencher cet appareil, s'il vous plaît? Je vais juste prendre des photos en même temps. Première fois que ça fait ça. Encore le premier, j'aurais cru que le pod essayait de se recalibrer, mais du coup il l'a refait. Bizarre. Pouvez-vous refaire sonner le pod pour dire que vous souhaitez communiquer avec nous? Si vous voulez parler avec nous? Si vous voulez nous faire savoir des choses? Vous pouvez le refaire sonner, s'il vous plaît? Si vous voulez, aussi, vous avez le micro qui est ici, que je pointe du doigt. Vous pouvez parler dedans. On l'entendra plus tard. Vous avez des messages à faire passer aussi. Et à côté du pod, l'objet avec l'antenne, vous avez ce qu'on appelle un Spirit Vibe qui a détecté. Qu'est-ce que je dois en conclure? Après, est-ce que c'est la pluie aussi? C'est la pluie, ça, je pense. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, là? Dans le couloir? Moi, je l'entends, tu vois. La petite plaque. Je sais pas.
Je pense que c'est la pluie là, qui est là. Ouais, regarde. On l'entend. Ah ouais, c'est sur la bâche. C'est sur la bâche. La bâche qui est là. Quelqu'un ? Bon, le pote, ça peut pas être moi, même si je m'avance. Mais non, parce que t'étais là où c'est la pierre. Ouais. Donc on est de... Enfin, je vous montre la pierre déjà. On est assez loin. Donc, désolé, on avait entendu un bruit. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit dans le couloir? Si c'est vous, vous pouvez faire sonner le pod encore une fois, s'il vous plaît. Qu'avait le bruit. Ouais. T'as eu quoi? Comment tu fais pour zoomer? Le truc de zoom, là, comme ça. Il y a des moustiques aussi. Celle-ci est assez claire quand même. C'est celle-là? Mmh. Zoom encore? Je veux pas. Ok. De toute façon, je la mettrai avant. Est-ce que je peux m'approcher? Parce que tout à l'heure je voulais m'approcher et le pod a sonné. Est-ce que ça voulait dire que je ne dois pas approcher? Je vais m'approcher tout doucement. N'hésitez pas à faire sonner si vous voulez que je recule. Donc là, ça sonne pas. Donc déjà, ça veut dire que je dérange pas. Non. On est d'accord. Est-ce que Stanley peut s'approcher? Je vais éteindre le cadre pour l'instant. Si vous voulez pas que je m'approche, faites sonner le pod. Le pod et je vous reviendrai ici à ma place. D'accord. Très bien. Reste à ma place. Est-ce que tu veux essayer? Donc Mélanie va s'approcher, si vous voulez qu'elle reste à sa place, faites sonner le pod aussi. C'est énorme. Attends, je crois que c'est cette zone en fait. Ah non. Ok, bon, on reste à notre place. Ok. Alors maintenant je voudrais savoir... Ça va être un peu compliqué, je vais m'agenouiller un petit peu. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi Stanley ne peut pas s'approcher. Ça va être un peu compliqué de savoir pourquoi. Comment on peut faire? On va faire un oui et un non. Ouais. Et de toute façon, il faut faire des questions fermées. Ouais. Donc, je vais vous poser une question. Pour dire oui, faites sonner le pod. Et pour dire non, ne faites rien. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Si c'est oui, faites sonner le pod. Est-ce que on va changer un petit peu la règle? Donc là, vous allez dire non pour cette question-là. Est-ce que vous voulez que ce soit moi qui soit en contact avec vous? Si c'est oui, vous faites rien sonner. Et si c'est non, faites sonner l'appareil avec l'antenne, s'il vous plaît.
C'était quoi ta question? Si je voulais que je puisse suivre. Donc là, c'est un non. Comment placer? Parce que le point de... Ok, ouais. Bah oui, parce que s'il a dit oui, si l'entité dit oui, ça a fait sonner pod, c'est ce que j'ai dit précédemment. Donc j'en conclus que vous ne voulez pas parler à Stanley. Faites sonner le pod pour dire oui, ou ne faites rien pour dire non. Je vais essayer de me déplacer autour pour voir si ça fait sonner. Recule encore maintenant. Recule encore maintenant. Non, tu vois, c'est trop. Ça va. Ah non, mais c'est vraiment chaud, ça c'est sûr. Parce que regarde, même tout à l'heure quand j'ai reculé, c'était ici. Non, c'est ça. Donc elle a répondu oui. Ou qu'elle n'a pas parlé. Non. Ça met un peu de temps. Ouais. C'est normal. D'accord. Est-ce que vous voulez me parler à moi? Faites sonner le pod pour dire oui. Ne faites rien pour dire non. Je vais m'approcher 2 secondes. Je vais poser cet appareil, il n'est pas dangereux. C'est un K2. Je vais le poser. Je sais pas, je vais le poser ici. Tu vas le voir comme ça. Je vais le voir, mais je sais pas si la caméra le voit. Je vais mettre. Voilà. Est-ce que tu peux me dire si la caméra là? Non, mais attends, je peux jouer au cadre. Rééclaire les appareils. Éclaire les appareils. C'est bon? Je vais vous poser une question simple, peut-être bête, mais êtes-vous encore ici? Si c'est oui, faites sonner le pod. Si c'est non, ne faites rien du tout et on comprendra. Et en plus, t'as ça. Attends, c'est un reflet, ça, par contre.
Non, non, moi je te parle à ça. Merde, je suis désolé. Très bien. Allez-y. Les bras au sol. Je tape du pied pour vérifier que c'est... Ça ne serait pas nous. Je pense même pas. Non, pas non. Non. Oh. Vous êtes dans ce coin là. Je vais m'approcher encore comme tout à l'heure. Je vais avancer tout doucement. Donc, si vous voulez pas que je m'avance, faites sonner le pod. Le pod, c'est celui-là qui émet une petite lumière bleue que vous avez déjà utilisée. Je m'approche. Ok. Je recule. C'est bizarre quand même. J'ai dit bizarre. Ça a sonné, t'as vu un petit peu le truc? Ouais, ça fout des frissons partout. C'est la première fois que ça nous arrive, par contre, là, ça n'a jamais fait. Ouais. Pour une fois, là, ça... Le corridor. En plus, la grosse... Puis, est-ce que je peux m'approcher, de façon à replacer l'appareil qui est devant? Alors, je vais m'approcher. Et si ça sonne? Et si ça sonne, je retourne à ma place dans l'angle, comme tout à l'heure. Ça me donne le sourire là, parce que ça... Je vous avoue que ça me fait plaisir quand même de voir ça. En tout cas, je voudrais vous remercier hein, de rentrer en contact avec nous. Alors, on va essayer de vous poser des questions pertinentes. Juste avant, je voudrais que Mélanie essaye, mais pas re-souhaiter. Tu vois, tu passes juste à côté, mais... Parce que nous, on passe tout le temps par là, mais il faut essayer de l'autre côté pour voir. Donc Mélanie va s'avancer tout doucement. Et si ça sonne, mais elle reculera. Qui les entend? Les moustiques aussi. Voilà. Ça veut dire que tu peux rester là? Putain, ça va être chiant. Vas-y. Essaye de faire le tour. De les appareils. L'appareil photo qui a arrêté. C'est bizarre cette zone, ça sonne, t'as vu? Ouais. Je veux juste me mettre devant l'appareil photo là. Si vous voulez pas, je recule. J'avance juste un tout petit peu. Hop. D'accord, c'est bon, je me recule. Non, c'est... tu vois, ça peut pas être ça. Et pourquoi elle est ouverte? Ça s'est éteint? Vous savez, vous avez le micro qui est ici. Vous pouvez parler dedans. J'ai découvert une photo de cette pièce avec une sorte de trace blanche dans ce coin que je fixe. Est-ce que c'était vous? Si c'était vous, faites sonner le pod ou le K2. Le K2, c'est ce qui émet la lumière verte. Moustique, ça, je sais pas si
C'est bien blanc quand même. C'est bien blanc, mais c'est un mousse qui bat des ailes peut-être. Est-ce que c'était vous qui était sur la photo, donc cette tache blanche qui était sur le mur? Est-ce que c'était vous? Côté, on est d'accord, ça déclenche pas. Non. Ok. Et par exemple, pour que ça déclenche, hein, la caméra filme là. Pour que je montre. Ouais. Pour que ça déclenche, il faut que je. Plus de batterie, ça clignote. Ok. Je m'approche 2 secondes du pod. Donc, pour que ça déclenche, il faut être assez proche, faut être. Jusqu'à là. Plus bas. Mais t'as vu tout à l'heure, ça a déclenché jusqu'à là. Okay. Je remets juste l'antenne droite. Tu l'as bien fixé l'antenne droite? Non. Je laisse l'appareil tranquille. Chaque fois que je le fais. Ok. Avance. C'est ici. Non? Ça fait plus. En fait, c'est. Est-ce que vous essayez de jouer avec nous? Je vais essayer parce que. Bah non, mais comme on a dit. Regarde. Ça a déclenché. C'est pas possible. Donc si ça se déclenche quand on marche. Faut être logique. Ça déclenche là, du coup. Mais tout à l'heure, ça déclenchait là. Ça a déclenché une fois là. Thomas, pour que ça déclenche, il faut être proche. Sur le LED. Je pense que ça joue avec nous, en fait. Je pense. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher le pod au moment où on passe à cet endroit pour essayer de nous mettre un doute? En tout cas, si vous connaissez la source, hein, ça se trouve. Bouge pas. Attends, mais tout à l'heure on lui a dit. Non, mais tu vois, toi t'es là, moi j'étais là. Tout à l'heure on lui a dit de répondre par oui ou par non. Tu lui as dit est-ce que c'est vous qui avez déclenché le machin? Ouais. Donc ça a répondu oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Demande-leur s'ils sont gentils. Ils sont gentils? Ouais. Est-ce que vous êtes un esprit bienfaiteur? Donc j'en conclue que vous êtes un esprit malfaiteur. Est-ce que vous nous voulez du mal?
Je répète, hein, si c'est oui, faites sonner l'appareil. C'est moi qui s'est posé. Ah, c'est moi qui s'est posé là. Ouais. J'essaie de les prendre. Donc vous n'êtes pas un esprit malfaiteur, vous êtes un esprit neutre. Oui, que là, on a 16 degrés. C'est normal ici. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Qu'on quitte les lieux? Pour vous laisser en paix, tranquille? Mais non, mais tout à l'heure, il a dit qu'il ne voulait pas parler avec moi. Hein? Tout à l'heure, il a dit qu'il ne voulait pas parler avec moi. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que vous voulez parler avec Mélanie? Si c'est oui, faites sonner le pod, et ben, si c'est non, ne le faisiez pas sonner, s'il vous plaît. Ne le faites pas sonner. Qu'à moi. Toi, depuis tout à l'heure, quand tu m'en parles, ça fait réagir. Mmh. Je vais quand même lui demander. Vas-y. Donc, j'en conclus que vous voulez parler uniquement avec moi. Si c'est oui, faites sonner le pod. Faites sonner le pod pour oui et ne faites rien pour non. Vous ne voulez plus parler avec nous?
On en conclut quoi, là? Je sais pas, je crois qu'on essaie de trouver le monument. Nous savons que le Spirit Pod génère son propre champ d'action autour de son antenne. Nous ne savons pas quel est réellement son champ d'action, mais il est impossible qu'il couvre toute la pièce. Serait-ce dû au temps orageux qui viendrait perturber son champ d'action, ou d'un simple moustique? Nous ne pouvons rien affirmer réellement. La réponse la plus plausible serait celle des insectes qui volent autour de nous, et à nos mouvements se mettent eux aussi en mouvement, ce qui ferait déclencher le pod, mais aussi longtemps, cela nous paraît étrange. C'est pourquoi nous vous invitons en commentaire à partager vos avis sur la question, avec peut-être d'autres hypothèses. En tout cas, nous allons chercher pendant plusieurs minutes des explications plus ou moins folles pour essayer de comprendre pourquoi le pod réagit uniquement quand on passe à certains endroits. Nous poursuivons notre enquête et allons obtenir d'autres résultats. Donc tu vois, c'est jamais au même endroit. Est-ce que si c'est vous, vous pouvez vous approcher de la boîte noire que je tiens dans la main? Elle émettra juste des lumières, ça ne fera aucun son, elle n'est pas dangereuse. Elle n'est pas dangereuse. J'ai vu, on l'a, je crois. Tu l'as? Il me semble qu'on l'a, je suis pas sûr. Merci. Est-ce que vous pouvez le refaire juste pour confirmer? Juste vous approcher de la porte. Il mettra juste des lumières, ce n'est pas dangereux. Touchez-la juste une autre fois. Je demande juste une autre fois. Et après j'arrêterai. J'ai vu la caméra, il y a un truc qui s'est déplacé juste à côté. Un défaussé moustique. Ouais. Je sais pas si tu veux dire un chuch. Vous pouvez approcher de moi s'il vous plaît? Juste ici, toucher cette boîte là, que je tiens. Vous pouvez attendre un peu plus loin si vous voulez. Faites juste allumer les petites lumières qui sont ici. Ce n'est pas dangereux. Touchez-les juste une fois. Allez-y. C'est juste pour être sûr que vous êtes bien avec nous. Ça l'a bien fait de taille. Il me semble que je vais... Enfin... Ouais, j'ai vu, très clair. Ouais, mais j'ai été en dézoomé, est-ce qu'on va la voir? Ah, si je zoome, on verra. Moi, ouais. Ouais, j'ai vu la lumière s'allumer, ça c'est sûr. Et moi aussi, je l'ai vu, après ce que la caméra on le voit. Après ces événements, il ne se passera plus rien au K2 et au pod, et nous décidons de nous installer pour une dernière séance du Spirit Box, mené par Stanley. Vous pouvez venir communiquer avec moi là, dans le biais de cette boîte. Je vais vous poser des questions et vous pouvez me répondre très clairement. Êtes-vous encore ici?
Est-ce vous qui avez fait débrancher le pote, comme je le fais maintenant? Ces lignes rouges, je les prends s'allumer. Peut-être que celle-ci l'aura. J'étais genre comme ça. Les 4,5, c'est énorme. Hein. Attends, est-ce que ce serait ça par exemple? C'est vous qui êtes passé à côté de l'appareil bleu qu'a mon collègue? Ok, j'ai compris. Mais ça peut pas être ça. Parce qu'il faut que je frotte. Là, je vais monter à 10 quand je le frotte là. On va là-bas, il fait où? Je pense que c'est le frottement qui fait ça, mais. Ouais. Et pourtant, j'étais comme ça, tu vois. Là c'est 0-0, je fais rien. Franchement, c'est un top. C'est bizarre. Ils sont à 4. Donc c'est bon. Il y a des choses inexplicables dans ce truc. Moi je n'ai pas les 4, donc je ne peux pas trouver. D'accord, je vous remercie. T'as dit je vous remercie, ça sert à rien. Est-ce que vous pouvez me parler à travers la boîte, s'il vous plaît? Oh, j'ai un frisson dans les feuilles. Ah, attends. Si je peux me montrer à la cam. Regardez. Donc l'appareil bleu, en gros, c'est comme ça. Là, vous voyez, ça s'allume. Et pourtant, tout à l'heure, j'étais comme ça. La fois que sur le nez, tu vois. Essaye. Ah. Essaye de faire sur ta jambe. Ouais, c'est parce que le téléphone était là, mais il est là. Mets ton téléphone dans ta poche. Et frotte le dessus. Frotte le dessus du téléphone. Ouais, voilà. Ouais. Tu veux tout sauter? Ça va éteindre, mais ça doit faire une espèce d'énergie, tu sais. Le frottement, ça fait une énergie, tu sais. Est-ce que vous ça pouvez frapper à côté de cet appareil-là, là? Ici, là. C'est pas ça que tu l'as vu? Ouais, c'est mon mieux. Est-ce que vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? Ça joue rien avec moi. Là. Vous y arrivez pas? Ah, c'est le métal. C'est censé.
parti là-dessus. Ça fait rapport. Si, je sais. Tu veux dire quoi? T'en fais des sons, moi. Ah ouais. C'est puissant, putain. Ça fait une énergie, c'est quoi? Que vous pouvez nous parler ici à travers cette boîte, vous pouvez délivrer des messages, vous pouvez nous parler directement. Essayez de dire un mot, par exemple, bonsoir, bonjour, votre nom. Allez-y. Utilisez cet appareil pour communiquer avec nous. Quel est votre nom? Utilisez l'appareil pour nous le dire. Si vous n'arrivez pas à parler à travers cette boîte, faites sonner le pod. On comprendra que vous n'arrivez pas à communiquer via la seule boîte. Allez-y. Que vous voulez qu'on s'en aille. Faites sonner le code. Si vous voulez qu'on parte. Vous pouvez vérifier le numéro de chemin qu'on vous reste. D'accord. Non, mais si je me dépose, ça va être aussi bien. C'est nickel. Oh, elle a réagi. Enfin. Tu vois, c'est pas normal. Parce que quand tu te déplaces, tu vois, tu marches à la même vitesse. 9 minutes. Ah, t'es d'accord, tu marches tout le temps à la même vitesse. Quand t'es là, ça fait tout, juste une fois. Quand t'es là, ça fait tout. Plus lentement. Ça n'a aucun sens. Vous voulez qu'on s'en aille? On vous laisse tranquille ici. Les vidéos vont pouvoir nous dire
vous donner des conseils, vous aider à trouver une solution. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer? Est-ce que vous êtes coincé ici? Voilà, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous êtes coincé ici dans cette pièce? Et si c'est le cas, pouvez-vous actionner le pod s'il vous plaît? Nous n'aurons plus aucun résultat et la pluie se faisant de plus en plus présente, nous décidons de ranger notre matériel et de partir. Il ne suffira que de 2 minutes pour qu'un événement survienne. Un orage éclate au-dessus de nous. Ces éclairs ne sont pas anodins, car ils pourraient être à l'origine du déclenchement du pod. Laissez-nous vos analyses en commentaire. Nous reviendrons sûrement dans ce lieu afin de voir si nous obtenons des résultats semblables. Mais en attendant, nous reprenons la route pour de nouvelles aventures. C'était la 7e enquête de la saison 2 de TEP, Team d'enquête paranormale. À bientôt.